Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bonne nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, c'est mardi et mardi, tout est permis. Bon, ceux qui ont la ref, n'hésitez pas en commentaire. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des freins à la perte de poids. Mais je vais énumérer un peu l'ensemble des freins, mais je vais essayer d'axer surtout sur un frein en particulier que je découvre de plus en plus via les réseaux sociaux. Et j'avais envie de plus longuement en parler. Mais avant tout, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu, à la commenter si ça vous a intéressé, si vous avez envie de partager des expériences de vie, à la partager à d'autres personnes qui pourraient être intéressées et à activer la cloche pour être notifié des vidéos, sachant que je filme pour le moment, enfin je propose des vidéos le mardi et le jeudi. Peut-être qu'un jour je reviendrai le week-end. Les freins à la perte de poids. Alors, les freins, je vais pas faire le tour de tous les freins, parce que dans ces cas-là, la vidéo va durer 1 heure. Mais c'est voilà, on connaît les freins physiologiques, hein. On sait très bien que plus vous allez enchaîner des tentatives de perte de poids avec des régimes restrictifs, plus vous allez avoir une résistance physiologique à la perte de poids. Malheureusement, alors peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais c'est une réalité. Vous avez les freins psychologiques, forcément. Vous imaginez bien que au-delà de la, de, au-delà, au-delà de la physiologie qui peut être due à une épigénétique, par exemple une hérédité, ou à des dérèglements, aux dérèglements hormonaux, thyroïdiens ou autres, il y a aussi les freins psychologiques, ce qui a peut-être créé la prise de poids, les traumas, qui sont des choses à travailler, qui prennent beaucoup de temps parfois, et qui peuvent être longs parce que c'est difficile pour la personne qui souffre quand elle traite ces maux-là. Donc ça peut être un frein, un ralentissement en tout cas à la perte de poids, et c'est tout à fait normal, mais il ne faut pas lâcher. Vous avez aussi ce qui se crée aussi. Alors pendant la prise de poids, on a les maux initiaux, on a les causes de la prise de poids, mais on a aussi ce qui installe la prise de poids. Des fois, par moment, c'est la protection. Ce poids-là devient une protection pour certaines personnes. Des fois, suite à des souffrances, suite à des autres types de traumas. Qui s'ajoutent, ou alors voire même des traumas initiaux, hein, qui font que la personne se protège à travers cette couche de gras qui vient l'éloigner des autres, des individus, des profils d'individus qui les ont agressés, qui les ont fait souffrir. Moi, ça a été mon cas sur la partie grossophobie, où effectivement, plus je mangeais, plus je me réconfortais et que je me sentais protégé des agressions et des maux des autres. Alors qu'en plus de ça, c'était même contradictoire parce que ça venait envenimer et amplifier le cercle vicieux de la grossophobie. Mais on est tellement dans une souffrance qu'en fait on s'enferme dans ça et ça devient une couche protectrice. Donc il y a aussi ça sur lequel il faut travailler et qui est aussi un frein parce que on s'en rend pas compte des fois que on n'arrive pas à perdre du poids parce que on n'a pas résolu ce problème de renforcement de soi à l'intérieur pour pouvoir affronter plus fort, de manière plus forte ou plus forte, la vie et le regard des autres et la vie en commun avec les autres. Et ça demande aussi beaucoup de travail. Et vous avez aussi le facteur environnemental, le facteur famille, bien sûr, où parfois on est un peu en manque d'intérêt, en manque d'empathie, en manque de soutien de sa famille, de ses proches. On en attend beaucoup, on attend qu'ils comprennent tout. Et en fait, peut-être que c'est aussi une chose sur laquelle il faut travailler. On ne peut pas tout attendre de sa famille. On ne peut pas attendre qu'ils nous comprennent totalement. Ils restent encore une fois des humains, même si on partage un lien de sang avec eux, ça reste quand même des humains et on ne peut pas être compris totalement par même sa propre mère ou son propre père. Parfois, par moment, on a besoin de prendre ce recul-là, de se mettre dans une bulle et de s'écouter soi. Mais il est toujours bien d'avoir un garde-fou, d'avoir des gens proches, d'avoir encore une fois sa famille et ses amis. Mais c'est important aussi de se garder son espace à soi pour avancer, se construire et continuer à avancer, même si on n'a pas forcément le soutien qu'on souhaiterait de celles et ceux qui comptent pour nous. C'est pas grave. Le principal soutien, ça doit être vous d'abord, avant que ça soit les autres. Et dites-vous une chose, peut-être qu'un jour, votre famille ne sera plus et peut-être qu'il n'y aura plus de proches. Il faut que vous sachiez compter sur vous-même aussi, en grande partie, en majorité même d'ailleurs, pour pouvoir continuer à avancer, ne plus dépendre des autres. Je ne dis pas qu'il faut s'écarter d'eux, attention, je dis simplement qu'il faut savoir ne plus dépendre des autres pour pouvoir avancer sereinement et se dire que tout ce qui nous entoure autour, c'est du bonus, c'est du plus, et ça doit venir justement renforcer et augmenter certaines choses. Mais que la base, ça vient de vous. Donc il y a tous ces freins-là, et puis il y a un frein qui est apparu surtout sur les réseaux sociaux, j'ai remarqué, c'est le frein par rapport à les excédents de peau.
Et j'ai l'impression d'être un peu coupable de ça par moment, par certains échanges que je peux avoir avec certaines personnes, en me disant que peut-être que en partageant tout ce que je partage, je peux pas être derrière toutes les personnes qui sont en train de lire et qui ou écouter mes vidéos et essayer de les accompagner ou de voir comment elles comprennent les choses. Alors oui, effectivement, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que les autres interprètent, mais j'ai quand même ce souci-là de voir comment les gens interprètent ce que je peux partager pour pas leur nuire. Et c'est vrai que les excédents de peau, ça devient de plus en plus quelque chose qui est appréhendé. Parce que bah, moi, je partage ce parcours-là. J'ai partagé aussi la difficulté d'être pris en charge au tout démarrage, mais aussi la difficulté qu'on peut rencontrer lors des chirurgies avec les complications. Donc, effectivement, l'esthétisme, le fait de vous montrer bah, voilà comment c'était avant et comment on m'en pensait, et les cicatrices, certaines personnes ont une appréhension incroyable, voire énorme, sur les cicatrices, voire complètement. Effrayé par elle, mais effrayé aussi surtout par le complexe qu'elles peuvent en tirer par rapport aux excédents de peau, mais par rapport aussi aux prises en charge, est-ce qu'elles auront les moyens ou pas, si c'est pas pris en charge. Il y a toutes ces angoisses-là qui s'installent de plus en plus dans la tête de beaucoup de personnes et qui se posent la question de savoir si elles vont vraiment vouloir perdre du poids. Et là, moi, je vais essayer de faire en sorte de vous soulager et de vous dire que oui, c'est légitime d'appréhender cette partie-là. Moi, je l'ai appréhendée. Mais je ne l'ai pas appréhendée, elle ne m'a pas envahi, elle ne m'a pas freiné. Elle était là, présente, peut-être un peu trop, pas assez d'ailleurs, parce que je vais vous expliquer après pourquoi. Mais elle était là, mais elle ne m'a pas freiné. Je ne voulais pas avoir des excédents de peau, bien sûr, parce que bah, voilà, je regardais les émissions de Chris Powell, forcément, de me retrouver sur le billard, ce n'était pas un truc que j'avais envie. Mais en même temps, je ne me focalisais pas sur ça, parce que franchement, l'objectif, il était tellement clair de me dire que j'avais envie de réussir quelque chose. Et que j'essayais, j'étais pas sûr d'y arriver, hein. Mais j'essayais, qu'effectivement, cette partie-là, et je pense que peut-être que le fait de ne pas avoir été sur les réseaux m'a aidé, en même temps peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément autant de partage que là maintenant, des personnes qui sont sorties d'obésité et qui partagent leur parcours de vie. Mais en tout cas, peut-être que ça m'a un peu sauvé, et en même temps, ça m'a un peu pas aidé de ne pas y être. Je vais m'expliquer aussi. Arrivé à la fin de ma perte de poids, c'est vrai que je me suis retrouvé avec ces excédents de peau et cette dysmorphophobie qui faisait qu'en fait je ne me voyais pas comme je voulais. Et effectivement, ça m'écœurait, ça me dégoûtait. Alors j'ai même commencé à penser j'ai même regretté, pardon, d'avoir perdu du poids. Oui, ça m'est arrivé, deux, trois pensées comme ça, me dire mais pourquoi tous ces efforts pour ça? Parce que je me voyais toujours gros. Et en plus, quand j'arrivais à peu près à voir mon corps par moment, je voyais ces excédents de peau qui étaient remplis d'adiposité, qui n'étaient pas beaux, pas esthétiques, qui me dégoûtaient, quoi. Enfin, je me disais, c'est pas ça que je voulais, quoi. Et en fait, c'est peut-être parce que cette préparation-là que j'avais, cette appréhension-là que j'avais des excédents de peau que j'ai un peu mise de côté, que j'avais sur le coin de tête, hein, mais que je n'ai pas forcément travaillé, a fait que je n'étais pas du tout préparé à l'après, à encaisser le coup. Alors, c'est pour ça que j'ai dit que les réseaux sociaux ont amplifié certainement cette angoisse, mais aussi aident à travers les messages qu'on peut partager, que ce soit moi ou d'autres personnes, sur comment appréhender, comment se préparer et comment mieux vivre les risques d'excédent de peau. Même si, encore une fois, ça reste du cas par cas, ça reste personnel et ça reste en fonction de son degré de sensibilité. Maintenant, moi, je ne peux pas me mettre à votre place. Moi, je vous retransmets encore une fois mon vécu. Effectivement, pendant 2 ans, avec la dysmorphophobie, j'ai très mal vécu ces excédents de peau. J'avais des complexes, choses que je ne connaissais pas avant parce que j'étais vraiment dans un déni. Donc, ça a été compliqué. J'ai eu du mal à le présenter sur les réseaux. Et c'est vrai que c'est arrivé à 2017 quand je me suis libéré de ma dysmorphophobie et que je me suis accepté dans son entièreté, comme j'avais pu m'accepter en étant obèse avant de commencer ma perte de poids. C'est là où j'ai réalisé qu'en fait, j'étais bien, quoi. Je ne regrettais pas et j'avais même eu des remords ou des regrets par rapport aux pensées que j'avais eues d'avoir regretté d'avoir perdu du poids et tout ça. Mais ça fait partie du processus, ça fait partie des choses qu'il faut continuer à travailler parce qu'on pense que la perte de poids, ça s'arrête au moment où vous décidez d'arrêter de faire le régime enfin le régime, quand je dis régime alimentaire dans le cadre de déficit calorique, mais pas le régime restrictif. Et vous vous dites que ça y est, ça s'arrête là et que c'est terminé. Maintenant, en fait, il y a plein de choses à gérer derrière. Et ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est de ne vous comparer pas déjà à autrui. Déjà d'une, c'est de base, il ne faut pas le faire. Et de deux, ne vous comparez pas surtout à autrui qui a un point Z alors que vous êtes un point A. Et ça, c'est la pire des choses. Parce qu'en fait, vous vous projetez mentalement avec le niveau de force mentale que vous avez aujourd'hui, alors que le niveau de force mentale que vous aurez demain ou après-demain dans le futur, en tout cas à ce point Z, ne sera absolument pas le même. Moi, ma force mentale A n'a rien à voir avec ma force mentale Z.
Et c'est là où j'essaie de vous faire comprendre qu'il ne faut pas se projeter parce qu'en fait, vous vous créez une angoisse, une sorte de double peine. Moi, j'ai eu la double peine, quasiment, mais dans un autre sens. J'ai eu la peine du résultat et de la déception et du rejet et du complexe. Et j'ai eu la peine supplémentaire parce que j'avais pas assez préparé. Alors que vous, pour certains, c'est l'inverse. Vous vous préparez beaucoup trop et donc vous anticipez beaucoup trop, alors que peut-être que vous n'aurez peut-être pas d'excédent de peau, parce qu'encore une fois, c'est une grosse donnée génétique. Hein. On peut bien sûr améliorer l'hydratation, l'apport en fibres, le collagène, les crèmes, tout ce que vous voulez. Mais ça n'empêche qu'avec la partie sportive, si vous voulez, pour le galbe général, mais ça n'empêche que si ces génétiques déterminent en vous que vous allez avoir une nécessité, et enfin déjà que si les excédents de peau, vous en aurez, vous en aurez. De toute façon, les excédents de peau, vous le savez très bien, ils se définissent déjà dès lors que vous êtes déjà obèse. Le relâchement de peau, il peut se constater plus ou moins. Il faut voir un médecin ou un chirurgien, il vous dira plus ou moins, effectivement, il y a une zone qui est beaucoup plus flasque qu'une autre. Vous le verrez au fur et à mesure et que vous saurez que c'est déjà détendu. Donc pour le ramener, ça va être plus compliqué. Mais n'empêche que trop anticiper une situation qui n'est pas encore arrivée, c'est une souffrance que vous vous infligez en plus. De celle que vous allez devoir affronter au moment où vous aurez à l'affronter, au moment des résultats. Parce qu'encore une fois, votre mental ne sera pas le même. Donc pourquoi vous faire doublement souffrir d'une chose dont vous ne maîtrisez pas le résultat? C'est là où j'essaie d'en venir, c'est d'essayer de bien sûr légitimement le mettre de côté, d'y penser, essayer d'y travailler indirectement. Mais en même temps, ne pas s'angoisser, ne pas s'affreiner, ne pas se dire bah non, ça c'est trop pour moi. Parce que je peux comprendre aussi le fait de se dire qu'est-ce que j'aurai si j'ai des excédents de peau, comment je vais les vivre, est-ce que je vais accepter les cicatrices, est-ce que je vais avoir les moyens si ce n'est pas pris en charge. Je peux le comprendre. Moi, le premier, je l'ai vécu post. Mais très honnêtement, avec le recul que j'ai, le fait de vous partager tout ça, j'espère que ça vous aidera justement à moins angoisser, à plus vous renforcer et à plus vous dire advienne que pourra. Je verrai au moment où ça arrivera, comment je le gérerai et je trouverai les moyens de gérer. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Même si j'ai eu 2 ans de souffrance avec la dysmorphophobie et le complexe de ces excédents de peau, quand je suis sorti de ça en 2017, de 2017 à 2018 avant la première chirurgie, j'étais le mec le plus épanoui. J'ai commencé à m'exposer encore plus sur mes excédents de peau, je montrais plus en photo, je les montrais plus en vidéo. J'avais plus aucun tabou sur ça parce qu'en fait, je m'étais vraiment totalement accepté, j'étais fier de ça. Et bien sûr, après, j'ai fait le choix de les retirer parce que je voulais plus, je voulais mieux, je voulais encore mieux pour moi. Et j'avais assumé ces cicatrices me disant que c'était une valeur ajoutée supplémentaire. Et je les assume toujours et j'en suis même très fier. Mais encore une fois, ça demandait un cheminement, ça demandait un processus. Et ça, faites-vous confiance. Ça demande énormément de confiance en soi parce que j'ai compris que le mec au démarrage, ce n'est pas le mec qui est arrivé là et ce n'est pas le mec qui sera demain. Ça n'a rien à voir. Et j'ai su capitaliser sur cette confiance-là, capitaliser sur la confiance que j'avais en réussir certaines choses, en affronter et pouvoir gagner certains combats, psychologiques en tout cas. Et celui-ci, je l'ai gagné parce que même si ça a été 2 ans de souffrance post-perte de poids, et je l'ai déjà dit moi-même dans l'émission, ça commence aujourd'hui, comme quoi j'avais aussi regretté un moment d'avoir perdu ce poids-là. Je sais que ça faisait partie du processus classico-classique de cette étape de vie, en tout cas pour moi. Donc, ne voyez pas ça comme un frein, ne vous freinez pas, ne vous stoppez pas parce que vous allez avoir des excédents de peau. Parce que je peux vous assurer que même si ça prendra le temps que ça prendra, vous trouverez la force et les moyens de pouvoir vivre avec ou alors d'en sortir, de résoudre cette problématique-là. Pour pouvoir vivre de la manière la plus épanouie. Même si, encore une fois, je sais que c'est pas simple, je l'ai vécu. Mais croyez en ce partage-là, parce que, à force de discuter avec d'autres personnes qui ont le même parcours de vie que moi, il y en a certains qui ont accepté de vivre avec leurs excédents de peau. Je pense à mon pote Bananamo. Et il est épanoui, il est heureux, il s'expose, et les gens même ne voient même plus ses excédents de peau, voient plutôt la performance, la qualité, le travail, l'investissement. Et moi, chez moi, ils voient aussi la qualité de travail, l'investissement, les cicatrices qui viennent remplacer ces excédents de peau. On a chacun pris un chemin, mais l'état d'esprit, la mentalité, le positif qu'on dégage reste celui-ci. Celui d'encouragement, celui de la mise en confiance en soi, celui de recentrage sur soi, celui de prendre des choses comme elles sont au jour le jour, d'affronter, d'avancer et de se dire que demain sera plus fort qu'aujourd'hui et encore plus qu'hier. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo pourra
pu vous aider un peu, en tout cas à moins appréhender cette question des excès dans le pot. Vraiment, mettez-la de côté, mais ne la cachez pas, ne la masquez pas. Elle est légitime, mais n'en faites pas quelque chose, ou ne la laissez pas en tout cas vous envahir de telle sorte qu'elle vous bloque totalement. Parce que ça serait dommage, parce qu'il y a vraiment tellement d'autres bénéfices après une perte de poids, sur d'autres choses, que vraiment, vous aurez la force d'affronter cette partie-là. Je suis sûr. Et de toute façon, ça se trouve, vous n'en aurez pas. Je ne vous dis pas, je ne vous garantis pas, je ne suis pas médecin, je ne peux pas ausculter tout un chacun. Mais je vous le souhaite en tout cas. Et si c'est le cas, si vous en avez, vous aurez la force et j'en suis persuadé. Et en tout cas, n'hésitez pas à venir nous en parler, à moi ou à d'autres, pour vous donner de la force et des encouragements pour mieux l'affronter. Voilà, en tout cas, cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, intéressé. N'hésitez pas en commentaire. Et si vous avez envie de partager votre point de vue ou vos ressentis. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une prochaine vidéo YouTube. Sinon, sur Instagram, TikTok et Twitch, sur les autres réseaux. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.